Les Gorons pour la fin. Bingo. Le seul truc que j'ai pas fait dans le jeu, je crois, c'est les 900 Korogu. J'ai jamais eu le courage. Et de toute façon, pour moi, il y en a 900 juste pour que tu puisses en trouver plein, juste en t'amusant, quoi. Il y en a pas 900 pour que tu les attrapes tous. Ça sert vraiment à rien. Il y a 900 Korogu pour que. Genre, si t'as besoin de 300 Grogu max pour tout débloquer, par exemple, ben, si t'en mets genre 3 fois plus, t'es sûr que tout le monde va en trouver au moins 200, 250 et avoir le maximum des trucs sans se prendre la tête. Alors que s'il y en a 300 dans le monde et qu'il t'en faut 300, c'est sûr qu'il faudra les chercher. La tenue des piafs et des armes de piaf. Moi, j'ai pas d'armes de piaf de toute façon. On va s'équiper. On va s'équiper comme ça. Putain, le brise-montagne qui va se casser, je suis deg. J'aurais dû en prendre soin, quoi. Et cette épée pour la détruire un jour. La créature divine tient le château d'Hyrule en ligne de mire pour abattre Ganon. Mieux vaut ne pas s'approcher. Ah ouais, carrément. Mais allô? Ah ok. Allez, le village des oiseaux. C'est où l'endroit le plus haut du village? Je crois que c'est cette baraque, la baraque du chef. Allez quoi, la musique démarre. Bah, laisse-moi rentrer. Grand héritier, plein de gentilles choses à dire. Non, t'inquiète. Juste, c'est marrant, t'es un gros hibou. C'est qui elle encore? Ah, mais c'est la meuf qui aimait les pommes. Ah ouais, lui, le mec qui m'avait aidé. La musique du village est quand même jolie. Oh, y'a Sarim et ses enfants. Prenons tellement la classe. Merci d'avoir accepté le legs de mon maître. Si tu veux que je te chante à nouveau sa chanson, pourrais-tu revenir à la nuit tombée? Pour le moment, je dois garder l'œil sur mes enfants. Merci bien. Trop sympa. Le meilleur daron à Sarim. Le meilleur daron. Est-ce que je peux capturer une libellule? Ça fait longtemps. Nice! Oh, j'ai failli la prendre, dommage. Le petit papillon glagla. Ah, ça rime, c'est encore toi! Allez, bordel! Lol. Sa femme, elle a dû péter un câble. Au point de le laisser tout seul avec les gosses, quoi. Le mec, il, à chaque fois, il se TP à l'endroit, il chante. Tu es arrivé jusqu'ici, tout ça, regarde les images et trouve les trucs. Très bien.
Et puis tu vois, c'est comme dans Jak et Daxter, les précurseurs, c'est des belettes dans un robot qui s'amuse avec un micro pour te parler dans ta. Pour faire toutes ces voix là. Et ils sont là, c'était marrant, hein, tous les monolithes qu'on a laissés, t'as kiffé? Bah, c'était pour qu'on s'amuse. Ce monument de pierre est vieux de 10 000 ans. Son sens est évanoui, emporté par le temps. Tiens, voilà une surprise. Depuis quand es-tu là? Je n'ai rien entendu, pas même un bruit de pas. Ah, je suis un ninja. Nos deux routes se croisent ici encore une fois. Tu m'as surpris, je crois, musant à haute voix. Ah, musant. C'est original comme mot. Regarde donc plutôt. Ici, ils sont là, comme avant, les piliers que mon maître mentionnait dans son chant. Ah, comme il est grisant de déclamer ses vers en posant les yeux sur des vrais piliers de pierre. L'épreuve de Révali est l'objet d'un couplet composé par mon maître. Je vais te le chanter. Très bien. Fais-toi plaisir. À Médo, la céleste dont le vent est l'ami, le prodige impétueux souhaite insuffler la vie. Pour accroître sa force, une voix l'envoie vers les sites qui se dessinent sur les piliers de pierre. Va, traverse les cornes du dragon flamboyant. Va, franchir les anneaux tel le souffle du vent. Il transperce quatre cibles en un infime instant. Ton courage invincible qui t'a mené par la dernière épreuve se verra éprouvé. Alors, qu'as-tu pensé de l'œuvre de mon maître? C'est pas la même chose que j'ai chanté quatre fois de suite, pas vrai? Admirable, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître. J'apprends sur les prodiges, ma foi, de plus en plus, à les connaître mieux, tu me vois résolu. Encore quelques efforts et je serai en passe d'écrire ce couplet de manière efficace. De nobles silhouettes, ma fantaisie dessine celle des pilotes des créatures divines. Mon maître aurait un rêve dont je suis héritier, c'est de finaliser son œuvre inachevée. Et pour qu'un jour ce rêve se voie concrétisé, il me faut des prodiges découvrir les secrets. Chez moi, au village Piaf, Théba et le chef Kai m'ont parlé du prodige avec force et détail. Pour parfaire mon chant, je poursuis mon voyage. Mon village natal n'est qu'un point de passage. Très bien. D'ailleurs, tu l'as pas connu, toi, le prodige? Les piafs, ils vivent pas super longtemps. Non, c'est les auras qui vivent super longtemps. Les piafs, je sais plus. Peut-être qu'ils vivent moins longtemps que les humains. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais je crois qu'ils vivent moins longtemps. Du coup, est-ce que j'ai assez de place pour les photos? Ah, il faut que j'en supprime une. Faut que j'en supprime une. On peut effacer ça. Très bien. Très bien. Et enfin, la neige. Je l'avais pas bien visé cette photo. Parfait. Alors voyons voir. Où est-ce que ça pourrait être? Non, attends, comme ça, voilà. Du coup, faut que je... bim, voilà. Donc, dans un genre de cratère entre deux rivières. Voyons voir. Dans un cratère entre deux rivières. Ici, non? Bah oui. C'est pour tirer sur les trucs en un infime instant. Ok, sache que ça, on a trouvé. Deuxième photo. Petit passage en colimaçon. Ah, mais c'est pas la crevasse où on fait du golf en plus. Si, hein. Cette crevasse-là. Hein. Ah, est-ce que je suis au bon angle? Pression qu'il manque un truc. Ça semble être l'endroit, hein, mais j'ai l'impression qu'il manque un rebord. Ce creux, il devrait pas être un peu plus prononcé? Bref, c'est ici, hein, mais... Sur la photo, ce creux est un peu plus...
un peu plus prononcé. Mais bon, c'est 100% c'est ici. Et la troisième image, ouais, c'est en haut de la montagne, quoi. Ça doit être ici, quelque part. Ouais, ça doit être... même, je dirais plutôt ici. Ouais, en bas de la grande falaise. Donc, juste là. Très bien. Bon, on va go d'abord ici, je pense. Et puis, on se re-TP en bas. Très bien. Nickel. Du coup, faut aller où? Faut aller où? Faut aller où? Faut aller là. Hop. Salut Gutentag. Gutentag 03. On va faire un jeu, tu chantes du PNL et je m'abonne. Jamais. J'espère que c'est clair. Jamais, tu m'entends? Jamais. C'est bon. Ce serait ici. Ça doit être ce mec là. Ah, c'est toi? Je ne pensais pas avoir de la visite dans un endroit pareil, tu fais quoi? Le chef du village m'a confié la mission de surveiller le dragon qu'on peut apercevoir par ici. Ces derniers temps, on peut le voir de plus en plus souvent et le chef craint qu'il ne vienne jusqu'au village. Après ce qui s'est passé avec Medo, on ne peut pas lui reprocher d'être inquiet. De ce que j'en ai vu, il n'a pas l'air dangereux. Enfin, je vais le surveiller encore un peu. En effet, lorsqu'il fait nuit noire, le dragon traverse toujours cette gorge et à ce moment-là, ses cornes brillent d'une lueur envoûtante, comme pour lancer un appel. Un appel... faut que je traverse ses cornes, non? C'est ça qu'il avait dit. Traverse les cornes du dragon flamboyant, va franchir les anneaux tel le souffle du vent, transverse 4 cibles en un infini instant. Ouais, faut que j'attende que le dragon arrive. On attend la nuit. Alors, est-ce qu'il arrive? On dirait que j'ai des casseroles sur moi quand je marche. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben... rien. Alors, il est où le dragon? Ah, il arrive. Alors, faut pas se rater là. Faut pas se rater, faut pas se rater. Ouais, ouais, t'inquiète. Le mec. C'est à toi, faut que... c'est à toi qu'il faut demander si t'es sûr de ce que tu racontes. Et il vole assez bas, hein. Mais ça devrait aller. Plus il est bas, mieux c'est. Tant qu'il est pas trop haut. Ah, salaud! Je suis passé, je crois. Non? Allô? Monstre! Prenons une écaille, profitons-en. Je peux pas? Voilà. Merde, je crois que je me suis foiré. Bon bah, tant pis. Je suis passé pourtant.
Ah, je devais être trop. Je vais être trop. Dommage. Bon, moi j'ai une écaille. Est-ce qu'il faut que je tire entre les deux flèches, entre les deux cornes peut-être, plutôt que les traverser? Je crois que je suis mort. Enfin, je suis mort. Ah, je pourrais rester là? Non. Ouais, je tiens debout ici, c'est obligé. Obligé, je tiens debout. Voilà. Ah merde, c'est là-bas. J'essaie de d'enclencher le parachute, j'y arrive pas. Ah, c'est bon. C'est bon, ça passe. Du coup, faut peut-être que je tire une flèche en fait. Transperce les cornes du dragon flamboyant. Ouais, faut que je tire une flèche, transperce. Putain, j'ai lui traverse. Du petit loot gratos. Putain, je suis bien. Bon bah on rate en une nuit, comme un glandu. Ah mais merde. Bon, je suis sûr qu'avec mes flèches, je peux y arriver. Il devrait arriver. Allô? Allô, le dragon? Il devrait arriver, il est juste un peu timide. Ah, le voilà. Ah, il vient de loin. Mais stop là. Non, mais stop. N'importe quoi. Je dois monter la garde. Bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Les musiques dans ce jeu, hein, qui n'existent tellement pas. C'est vraiment le seul bémol au final. Franchement, avec 5 flèches, partir, je dois bien pouvoir toucher les cornes du truc. Faut juste attendre qu'elle brille. C'est quand tu veux le jeu. Ah merde, j'ai pas le pouvoir de Reva Ali. Ah ouais, faut vraiment que je tire beaucoup plus haut.
Nice. T'as pas envie de loot autre chose? Ou tu vas faire le gamin encore une fois qui donne qu'un loot? Bon, il fait le gamin. À moi le loot! À moi. Du coup, il a mis où le sanctuaire? Il doit être là-bas en bas. Ouais, il doit être là-bas en bas. Ou non, il était peut-être en haut. Putain, j'ai même pas fait gaffe où il a pop le sanctuaire, lol. Il a pop où? Je vais retourner là-haut, ce sera plus rapide. Il a pop où le sanctuaire? J'ai pas vu. À l'aide! Au secours! Je vais planer, je vais le voir. Il devrait pas être loin en vrai. Ah, il est là-bas. Ils l'ont mis de l'autre côté. Ah ouais, carrément. Ah mais moi j'atteins pas là-bas hein. Quoique. Sers-toi de marrage quand tu veux. Zboui boui boui. Faut des musiques. Et il revient. Il est motivé le dragon. Allez go, on va voir ce qui nous attend à la terre. Toi qui pénètre tout ça, fais-toi chier dans le jeu. Viser dans la quiétude. Ah ouais, carrément. Vas-y, moi je vise. Je suis un mec du vent, moi. Oh. Je peux juste envoyer un... Je peux juste lâcher une bombe, en fait. Elle va s'envoler, là, bam. Y a pas des coffres cachés. C'est un peu la base dans le jeu. On va toujours mettre des coffres un peu au schnapps. Non, ça m'a l'air legit. Ah. Ah merde. Je voulais la déposer. Ah. Hop. Go. Bam. Oh, j'ai tout pété d'un coup, nice. Ça c'est stylé.
pas un coffre ici pour te pour t'arnaquer, non? Ah non. Très bien. Ok, bah j'ai rien dit. Ah ouais, carrément. Ah là-bas, il y a un coffre en tout cas. Ah merde! Non! J'y crois. C'est bon. Zoui, oui. Spli, pli. Pili, pili. Spli, mi. Non! Je l'atteins pas. Non! À l'aide! À l'aide! C'est bon. Nice, c'est bon. Non! Je me suis foiré. J'ai envie d'y croire. C'est bon. Là, je l'ai. 100%. C'est bon, pas de panique, j'y suis arrivé. Nice, 10 flèches explosives. Faut faire quoi? Ah ouais, faut pas laisser le truc... D'accord. Merde! Oh bah tant pis. Ou alors je peux stopper toute la roue en fait. Je stoppe toute la roue et quand il n'y a plus de vent sur le truc, le bazar il va se relever. Ce serait un peu plus logique. Enfin logique. Franchement... Il y a moins de mérite quoi. Et hop là. Un coffre de l'arnaque. Non, ok, cool. Ça me paraît tranquille maintenant. C'est bon, mon gars. Putain, ils en ont creusé des salles sous le sol quand même. Tout ça pour amuser un petit héros. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. T'es zéro, Link, t'es zéro. Encore deux. Du coup, faut aller où? Faut aller là. Nickel. Là-bas, on trouvera sans doute les cibles. Il faudra simplement en détruire 4 dans un seul le plus vite possible. Ça devrait se faire facilement. Surtout que j'ai l'arc des Gerudo, celui qui est super précis. Ça c'est cool. Ouais, ça doit être juste là. Est-ce qu'il y a encore le piaf qui habite dans la baraque? Enfin, on l'a vu dans le village, mais est-ce que quand tu viens, il est dans la maison? Non. D'accord. Par contre, il y a un arc. Oh, tu l'avais presque cassé. Vas-y, donne. Je pourrais préparer de la bouffe, mais pas besoin.
Oh. Ah merde, je peux pas continuer. À 4 ça s'est arrêté. Ce n'est pas du temps, ce n'est pas du tout une inspiration phallique. C'est tout en bas? Ah ouais. Moi je croyais que c'était un gouffre tout en bas. Non, c'est juste de la flotte. Très bien. Oh, on va y aller la flotte. Je sais pas si on aura le temps de faire tout le DLC. Je sais pas s'il y a quelque chose après les 4... Après pas besoin de le dire, hein. Comme ça ça garde la surprise. Mais on verra, on verra. Alors du coup... Ça marche plutôt bien. Oh, j'ai même pas lu le nom de la salle. Ah dommage. Il y a des petits trucs pour te faire remonter si tu te fails. Je sais pas à quoi ça sert d'aller tout là-bas à gauche, mais bon. Est-ce que je peux pas juste faire ça? Ah merde, je me suis foiré. Ah! Ok, il y a des trucs. Oh, y a... oh, c'est le bordel. Oh, c'est le bordel. Ah, attends. Très bien. Et ça a fait quoi ça? Ok, déjà ça, ça fait ça. Ok. On avance. Ensuite. Ensuite. T'as quoi d'intéressant à faire? Ici, y a... Ah merde, je vais jamais l'atteindre. C'est bon. Ok. Ah d'accord. Yo la balayette. Ok. Ça jusque là je vois le délire. Ensuite bah, je crois que je peux aller directement en... Quoique là il y a ça. Comment j'active ça? Est-ce qu'à un moment... Ah voilà. Ah merde, faut en fait que je le... Ouais, faut que je l'arrête dans le temps pour que j'ai le temps de rentrer. Faut que je fasse un petit Zawardo. Tokyo Tomare. Non mais, je peux pas faire un Zawardo en l'air. Ok, je peux pas faire un Zawardo en l'air. Par contre, je peux... Si j'atteins le rebord... Nice. Ok, cool. Non, je suis pas enfermé parce que je l'ai bien fait. Ah si, très bien. À l'aide. C'est bon. Du coup ça. Du coup ici. Ah merde, celui-là il est pas activé. Ah bon? Est-ce qu'il est pas activé? Ça on a fait. Ça on a fait. Ici aussi. Alors il y a un truc qui m'échappe.
Ou simplement un truc que j'ai pas vu. Ah bah là, là on le voit, ok d'accord. Il y avait bien un truc que j'ai pas vu. Qu'est-ce que je peux faire par là? Est-ce qu'il y a moyen de rentrer genre de tout en dessous là? Non, j'ai pas l'impression. Je crois que tu l'atteins par en haut. Donc on va attendre la... cette plateforme. Attends. Il y a peut-être un bloc de pierre que tu peux déplacer. Je crois pas que les flèches puissent passer. Oh là! Tu peux la toucher avec une flèche. Ah, les flèches elles peuvent passer. Ah bah si les flèches peuvent passer, c'est gratuit. Ah moi je pensais pas. Bah ouais, c'est gratuit. Bien vu. Ah je regardais le chat. Je suis tombé direct. Ah bien vu New West. Bien vu, bien vu. C'est vrai que c'est des barreaux, j'avais l'impression que c'était le grillage là. Qui empêche les flèches de passer. Allez, lève-toi. Nickel. Et du coup. Ah et du coup on est motivé là. Oh là là. La flotte. Ah oh, y a moyen d'aller encore plus haut. Comment ça marche? Faut faire un petit gauche-droite et rentrer. Ouais. Ah, allez, vas-y. C'est bon. Merde. 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 Link qui marche contre le mur, quoi. Bap. Ce deuxième DLC est vachement cool, non? Les sanctuaires sont vachement innovants. Ouais, franchement, il est cool. Franchement, il est cool. Moi, dès qu'on peut me laisser jouer à Zelda, moi, je suis content. Hein. Franchement, il est stylé. Il est vraiment stylé. Ah merde, mon shield. Bon, c'est pas grave. C'est pas comme si je pouvais pas trouver 15 milliards de chouettes shield dans le jeu. Je sais que l'autre shield était meilleur, c'est juste que moi j'aime bien changer de shield quand je vois des nouveaux. J'aime bien prendre ce qu'il y a dans les coffres et continuer de jouer avec. J'aime pas laisser les coffres ouverts. Du coup, est-ce qu'il est... Ouais, j'ai pris tous les coffres, nickel. Après moi, on m'avait vendu le rêve d'un nouveau donjon, peut-être, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Après, j'ai pas encore fini, donc peut-être je serais surpris. Mais pour le moment, il y a des nouveaux sanctuaires, c'est cool. Les sanctuaires, c'est toujours sympa. Mais ça manque cette petite longueur des donjons. Et le scénario... sinon, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Le scénario, ouais, avec les souvenirs, ça c'est cool. Ça c'était vraiment stylé. Mais j'aurais aimé un scénario du temps, genre vraiment qu'ils viennent te voir en mode ouais, il y a un souci, il y a un truc, on a découvert quelque chose. Ce serait cool d'avoir un scénario du temps actuel plutôt que tout le temps des souvenirs. Mais c'est chouette. Moi le jeu, je le kiffe. Le seul souci que je trouve, c'est qu'il manque de musique. Il manque vachement de musique. Et sinon, pourquoi t'as si peu de cœurs, plus de challenge? Ouais, en fait, j'ai juste fait le jeu avec 3 cœurs. Et puis j'ai eu les cœurs des quand j'ai tout fait, j'ai fait les 4 donjons. Et ils m'ont donné des cœurs dedans, du coup je les ai gardés. C'est pas où? C'est pas là. Mais c'est plus de challenge parce que... Ouais, c'est kiffant, hein, c'est kiffant de te faire défoncer la gueule en 2 coups. En vérité, les mobs qui sont gris et noirs, ils one shot. Et les mobs normaux, ils me two-shot. En général, ils te retirent 3 cœurs, quoi, les bons mobs. Mais ça dépend de l'armure que t'as. Des fois j'ai des armures craquées, du coup je sens même pas le challenge.
Mais par contre, dans le DLC, il y avait un moment où fallait. Attends, faut se TP. C'est où la suite? C'est ici. Dans le DLC, il y avait un moment où fallait faire un truc du style. Combattre des petites hordes de. Des petits camps de monstres avec un PV. Ça, c'était cool. Parce que c'est un peu le délire que j'aime bien. C'est vraiment le délire que j'aime bien. Mais t'avais une arme trop cheatée, genre. L'arme qui one-shotait. Franchement, c'était de trop. Parce que quand les mecs arrivent au corps à corps, t'as juste à taper en premier. Et puis c'est bon. Et y'a que les archers qui sont un peu chiants. Mais tu leur tires des flèches et puis c'est bon. Du coup c'est en bas. Ou non, j'y suis déjà en fait. Ah voilà, par là. Ah, on va glisser sur des boucliers. Ça c'est cool. Début avec un quart de corsaire, j'avoue, ouais, c'est ça. C'était sympa. Tu vois là, ça manque de musique. Ça manque de musique en mode hyper vitesse. J'ai quoi comme musique en mode hyper vitesse? Je peux mettre un petit remix de Megaman. Parce que j'aime bien. Pouet 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 pé 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 pé. Wouah! Ah merde! Je suis descendu de mon truc. Je voulais juste pivoter. Allez go! Pé 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 pé. Faudrait des points de figure dans le jeu. Ah! Ah non! Je me suis foiré. Go! Nice! C'est le seul souci du jeu du coup, qui manque un peu de musique. Parce que je me rappelle les anciens Zelda en vrai. Presque tous les Zelda, ils ont des musiques craquées. Mais vraiment craquées. Tout le temps, partout, t'es trop ambiancé. Mais celui-là, je ressens... J'ai passé pas mal d'heures dessus, j'ai vraiment beaucoup joué. Et au bout d'un moment, je jouais avec de la musique. Hein, parce que j'avais fait une playlist de Zelda, mais je l'ai plus sous la main. Je sais plus où elle est passée. Et je jouais avec. Jouer avec parce que l'ambiance de la nature et tout, c'est sympa 5 minutes, mais c'est quand même un peu dommage. Parce que, genre, donc, si je repense à Ocarina of Time, Wind Waker, il y a des endroits, tu sais, il y a des musiques qui te font rappeler des endroits et des endroits qui te font penser à des musiques, donc ça te marque. Mais ici, franchement, il n'y a aucun endroit que, où une musique m'a marqué. Ou... Genre, je peux pas te dire, ah, cette musique de cet endroit c'est trop stylé. Comme je pourrais dire, la musique de la forêt perdue de Karina of Kime, c'est trop stylé. Y'a que la musique du début. Enfin, la musique d'intro qui était bien. Alors, voyons voir. Parce que faut utiliser son cerveau dans le jeu. Faut utiliser son cerveau. Y'a un bouton déjà. Il sert à quoi? Ah, d'accord. C'est pour la fin, pour envoyer la balle là-haut. Et ça. Ah d'accord. Donc t'as la bille qui descend. Oh, je peux aller chercher le coffre déjà. Ok, d'accord. On va plutôt le faire dans ce sens là. Hein. Hop. Zboui boui.
Ah, nice. L'arc du faucon, moi je le prends. Hein. Vas-y, on va jeter l'arc de l'hirondelle. On a rigolé avec 5 minutes. Cool. Est-ce qu'il y a un autre coffre du coup? Non. Du coup, ça c'est bien. Alors la balle elle descend par là, elle fait ceci, ok. Est-ce qu'il y a besoin d'aide là? On va voir comment elle fait. Ah ok, faut l'aider. Effectivement. Pour l'empêcher de tomber, j'imagine. Ici, il faut lui faire une petite plateforme. Ah non! Bon, elle va tomber. Quoique, j'ai le temps. Ah, elle arrive pas? Ah oui, ok. J'avais pas vu. Très bien. Donc là, elle descend, elle avance. Ici. Ah, ok. Faut que j'appuie là. Sinon, elle tombe dans le vide. Là, elle tourne. Faut que je lock ça. Ok. Ah merde. Mais non, mais je suis sur le bouton. Ah merde, j'étais plus dessus. Non. Salaud. C'est mon pied, c'est pas moi. Et ensuite... Ah merde, j'ai pas mis la flotte. Oh ouais, la flotte. J'ai pas mis la flotte. Faudrait faire un truc du style... Du style comme ça. Et du style comme ça. Et merde. Bla. Ah mais merde, je suis pas assez haut de toute façon. Non. Et merde. Allez, je vais monter bien haut, hein, comme ça je suis sûr et certain que ça passe. Ouais, je suis sûr et certain, sûr et certain. Allez, go. Là, je l'ai. Ce stress qui monte, est-ce que je vais appuyer sur A? C'est bon. Alors là, ça passe. Ah merde! Oh le con! Il y a pile pas la place. Go! C'est bon. C'est bon. Après, on aurait pu la faire en mode hardcore, hein. Et la laisser tomber et tirer dessus. On aurait pu faire un truc hardcore super stylé. On aurait pu la laisser tomber. Et pendant qu'elle tombe, je lui tire dessus. Et je la fais atterrir là. Avec une, avec un truc explosif si j'arrête le temps, mais bon. On va dire que on y a pensé très fort. En triomphant de l'épreuve, tout ça, t'es un mec bien. Je crois que c'était le dernier. Hein. Ah, bah c'était le dernier, c'est bon. On va pouvoir se taper maintenant. On va pouvoir se taper, mon gars. Combat à cheval. Lorsque vous livrez un combat sur le dos de votre monture, n'hésitez pas à taper les gens. C'est très important. Quand vous êtes dans l'eau, n'hésitez pas à tuer les poissons. Ils n'ont pas de cœur. Je suis où? Ah oui, c'est vrai, c'était la fin de la course, lol. J'étais en mode, mais depuis quand je suis venu ici? Mais c'était la fin de course au bouclier. Du coup, on peut effacer les trucs et aller voir Vamedo. Mais avant d'aller voir Vamedo, quoique non, on peut y aller direct.
Parce qu'il n'y a aucun endroit duquel tu peux te TP là. Enfin, tu peux sauter genre et planer. On va juste sauvegarder pour voir si ça passe. Alors, est-ce que sauvegarder ça va m'aider si je meurs à pas me retaper 2 milliards de kilomètres? J'espère. Go! Ah merde. Là 100% je suis tombé parce que j'étais sur une pente qui glissait. C'était celui où fallait voler. Si je me trompe pas. Je crois bien. Ouais, ça doit être celui-là. On va voir si on va le défoncer ou s'il va nous défoncer. Tant que je peux le parier, moi je suis bien. Tant que je peux le parier, je suis bien. Tout ça. De toute façon, toujours le même délire. On va zapper. Toujours pour te dire, faut que tu tues le boss. Allô? Il est où? Ah, ok, il est là. Ah, mais c'est le boss pour Paris. Attends. Ah! Ah! Ah, il m'a pris de court là. Ah, mais j'ai pas de shield! J'essaie de parier sans shield! Ah, d'accord! C'était une très bonne idée. Sorry. J'étais là, mais c'est bizarre, j'ai le bon timing et tout. Ok. Oh. Utilisation du décor. Merde. Ah, j'ai pas beaucoup de flèches. My bad. D'où je lui ai fait des dégâts? Allô? Est-ce que j'ai une arme? Oui, j'ai une petite arme. Ah, je peux pas grimper. Le jeu est très bien. J'ai oublié de préciser ça. Va crever. Pas assez de distance les flèches explosives, mon ami. Allô? Il sait pas où je suis. Il est bugué. Ah non, c'est bon. Nice! On lui fait le petit bide. Tombe, tombe! Ah merde! C'est moi qui vais tomber. Ah, mais c'est un trou ça ou pas? Non, c'est pas un trou. Je me prends pas pour un B-type. Il est tombé comme un caca. Ah merde, il est pas encore matérialisé. Il sait pas trop où il veut aller.
Pour le moment, on gère. Maintenant, c'est les choses sérieuses qui commencent, je crois. Ah ouais, carrément. Faut faire quoi? Je sais plus ce qu'elles font. Allô? J'ai peur. Oh! Je suis où? Ah merde! Bla! Bla! Ah merde, il a disparu. J'ai beaucoup de flèches, je crois. Hein. On va focus le boss, nous. Est-ce qu'on peut les péter? Ah non, faudrait qu'elle soit ouverte en fait. Je suis sûr que quand elle s'ouvre, je peux les défoncer. Ouais, c'est obligé. Oh non! Attends! Me vise pas! Merci. Ok, je peux vraiment rien faire avec les. Les trucs s'ils sont pas ouverts. Tayo! La lame régime va se briser. Non. Comment dire non? Arrête! J'ai des flèches explosives du coup. Peut-être que je peux juste les défoncer et genre manquer de respect au jeu. Ah, il veut pas se déplacer vite. Ah merde. Désolé, je dois t'abattre comme un chien du coup. Ah mais j'ai plus de flèches. Ah si, j'ai encore des flèches. Après, je peux me la jouer bombardier. Il est où? Ah merde. Non, je retire ce que j'ai dit. Bla. On va jouer normalement du coup. Il était trop pour que je le vois. Allô? Non, attends. Désolé pote. Imagine Vegeta, quand il meurt il explose. Du coup voilà. Oh non, la musique. Allons, je vois que nous. Que ne. Bla bla bla. Bla bla. Allons, je vois que nous. Que nous cheminons de concert. Mais nous cheminons de concert. Mais qui dit ça? Qui dit ça, hein? Bien que de mon côté, j'emprunte la voie des airs. En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue écrire un nouveau chant. Sans blague, mais à chaque fois que tu vas quelque part, c'est ton idée. Sur le grand Révali, mon maître a fait le sien. À mon tour d'apporter de l'eau à son moulin. Et quel meilleur moyen de bien saisir une âme que d'errer en un lieu où va briller sa flamme. Un jour, je vais le connaître par cœur, son poème. Mon œuvre s'intitule Chanson de Révali. Et je vais te la chanter, même si tu veux pas. En ce temps, celui qui m'édo piloterait du titre de protige n'était pas décoré.
Il s'appelait Revali, l'archer vif au cœur fier, qui reçoit un beau jour la visite princière. Cutscene. Ça ne va pas. Je dois atteindre le cœur de la tornade. Il faut que j'essaye encore. Vous savez, Altesse, ce n'est pas très poli d'épier les gens comme ça. Pardonne-moi. On m'a dit au village que je te trouverais ici. Laissez-moi deviner. Vous voulez que je vous donne ma réponse? Pour fendre le fléau Ganon une fois pour toutes, je n'ai aucune raison de refuser. Je te remercie, Revali. Dans la bataille qui nous attend, des talons tels que les tiens sont... Mais je vous préviens. Qui aura l'insigne honneur d'être épaulé par le grand Revali. Celui que vous appelez le chevalier à la lame purificatrice, c'est bien ça? Il va avoir un choc en me voyant à l'œuvre. S'il perd toute confiance en lui, il ne faudra pas m'en vouloir. Stylé! Je m'étais toujours demandé... Comment les piafs, ils font pour tirer à l'arc alors qu'ils volent? Tu sais, ils volent avec leurs bras. Donc ils doivent battre des ailes. Et ben maintenant on a la réponse. Et ils volent plus haut et ils tombent en tirant. Du coup, quand ils tirent à l'arc, ils volent pas, ils tombent. C'est comme ça que ça marche chez les piafs. Moi je pensais qu'ils tiraient avec ses pattes. Mais bon. Rotenshi. Moi je le dis, elle a guéchant la chouette de Zelda. What? Elle a guéchant, j'ai pas compris. Sorry. Des fois je comprends rien. Le prodige de mon peuple, comme tu l'as entendu, n'était pas piaf à mettre souvent son cœur à nu. Ainsi s'achève mon chant, je prie pour qu'il t'ait plu. Le cœur de Revali valait d'être connu. Ah bon? Écrire sur le prodige et chanter son histoire, mon maître serait fier, je te prie de le croire. J'ignore encore le tour que prendront mes efforts, mais cette idée déjà... m'apporte un réconfort. Du coup, pour go. Être franc, ah. Je ne pensais pas que tu y arriverais. Maintenant que la rage de Revali a gagné en puissance, tu ne devrais avoir aucun problème à vaincre Ganon. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, t'inquiète. Zboui, boui, boui. Rage de Revali plus, ça se recharge plus vite. C'est toujours la même chose. Nice, merci. Du coup, on va voir les Gorons. Ouais, on va finir aujourd'hui, comme ça c'est fait. Ah non, merde, je peux pas. Non,
Non, le Piaf il va disparaître, je veux écouter sa chanson. Ah non, c'est bon, explorer vos souvenirs. Ah ok, il me propose. Non, j'ai pas envie de refaire. Quoi que je pourrais y retourner pour voir si je l'ai pris en photo, mais je crois que je l'ai. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai pas vérifié, mais dans l'encyclopédie, si je vais dans les mobs et si je vais à la fin, j'ai foudre, feu, eau et vent. Ouais, je les ai tous. J'ai pas pris en photo Ganon parce que je suis trop un. Je suis un sac. J'ai pas pris en photo plein de trucs. Hein. IX, IX, IX. Il manque pas mal de photos. Hein. Après, les photos, je sais plus à quoi ça sert. Mais je sais que c'est. Oh, les animaux, j'en ai pas mal. Hein. Nanana, oh, j'ai fini tous les animaux. Il manque que les monstres. Les monstres, les monstres. Les fruits. Et les fruits aussi. Bah ben. Et les armes. Ah, les armes, il manque. Les armes, il manque plein d'armes que j'ai pas pris en photo. Du coup, on va chez les Gorons. Et chez les Gorons, on s'habille chaudement. J'aime bien cette tenue, elle est trop ridicule. Ah, il a froid. Non, mais t'inquiète, on va se taper. On va se taper. On va se taper, on va se taper. Comment on fait la carte, voilà, comme ça. Ah, merde, faut que je mette d'abord la quête, sinon je sais pas où je dois aller. Bah, allons au village Goron. Voilà, comme ça on va voir les Gorons. Les